Lancement officiel ce mardi 1er décembre 2020 à Kpalimé du projet de soutien à la Convention des maires pour l'Afrique subsaharienne, comme ça, dans la commune Kloto 1. Le lancement de ces travaux s'inscrit dans le cadre de la Convention des maires pour l'Afrique subsaharienne à laquelle la commune Kloto 1 a adhéré en 2018. Le projet financé par l'Union européenne est mis en œuvre au Togo par le cabinet Expertise France. L'objectif est d'accompagner les villes d'Afrique subsaharienne à relever les défis interdépendants du changement climatique et de l'accès à l'énergie durable. Marie-Anne Servet, coordinatrice du projet. Alors la Convention des maires pour l'Afrique subsaharienne est une initiative lancée par l'Union européenne en 2015. Qui vise à accompagner les villes d'Afrique subsaharienne dans le développement de leur plan d'action pour l'accès à l'énergie durable et au climat, l'accès au financement pour les projets d'infrastructure urbaine et l'échange de bonnes pratiques entre villes du Nord et du Sud. C'est une convention qui fait partie de la Convention des maires mondiales pour l'énergie et le climat, donc la Convention mondiale qui représente environ 10 000 villes engagées volontairement pour les actions pour lutter contre le changement climatique, et en Afrique subsaharienne, près de 240 villes déjà membres du réseau. Et la commune de Kloto 1 est membre du réseau depuis 2018, et Expertise France a décidé d'accompagner la commune de Kloto 1 à développer son plan d'action pour l'accès à l'énergie durable et le climat, et pour accéder au financement pour les projets qui ont été identifiés comme prioritaires pour lutter contre le changement climatique. Donc ce projet se fera sur la durée, sur une durée de 2 ans jusqu'à fin octobre 2022. Dans un premier temps, nous allons réaliser des études de diagnostic territorial pour évaluer sur le territoire de la préfecture de Kloto, donc au niveau de Kloto 1, 2 et 3, quelles sont les sources et le niveau d'émissions de gaz à effet de serre, quel est le niveau d'accès à l'électricité et à la cuisson durable, et quels sont les risques et vulnérabilités aux changements climatiques auxquels font face les populations. Sur la base de ces résultats, nous allons développer des scénarios pour améliorer la résilience du territoire de la préfecture de Kloto et identifier des projets sur le long terme, à horizon 2030, voire plus loin, qui pourront permettre à la ville de faire face au changement climatique. Et donc nous allons pour cela également réaliser un certain nombre d'activités de renforcement de capacité des différents acteurs. Nous allons développer des activités de communication de façon à ce que les enjeux soient mieux compris des différents acteurs et mieux acceptés, que les projets soient vraiment définis ensemble avec les différentes parties prenantes. Il s'agit vraiment de développer une vision commune de la ville à horizon 2030, un futur que nous souhaitons pour nos populations, un futur commun à horizon 2030, voire 2050. Pour le maire de la commune Kloto 1, Winnie Yaudobate, cet accord scellé avec le cabinet Expertise France va permettre de trouver une solution au problème de la préfecture de Kloto sur les plans environnemental, climatique et énergétique. Nous venons de sceller donc ce partenariat. Nous sommes donc une région purement agricole. Kpalimé est notre cahier de charge, c'est de faire de cette région la première destination touristique du Togo. Par conséquent, nous avons donc besoin de tous les éléments afin que notre mission soit très bien remplie. Donc, au jour d'aujourd'hui, c'est un très grand jour pour moi. Nous venons de sceller un accord avec Expertise France qui va essayer donc de nous aider pour essayer de résoudre tous les problèmes que nous avons dans notre localité, sur le plan environnemental, sur le plan climat, sur le plan énergie. On ne peut dire que mieux. Ce sont des réalités dont on parle au jour d'aujourd'hui. Notre région était une très grande région agricole de café cacao. Au jour d'aujourd'hui, toutes ces plantations-là ont été dessinées. Nous avions été à l'école grâce à ces fonds café cacao de nos parents. La préfecture que vous voyez là au jour d'aujourd'hui a été construite par les populations du Grand Kloto sur nos fonds café cacao. Où sommes-nous au jour d'aujourd'hui? On a l'obligation
Donc, de repartir à la base pour revoir tous les systèmes afin que sur le plan agricole et énergétique, qu'on remplisse les conditions pour que Porto retrouve sa fierté d'antan. Je voulais également dire un sincère merci donc à nos partenaires financiers, surtout à l'Union européenne, qui a pensé vraiment à nous. Vous savez, depuis un certain temps, l'Union n'est plus dans notre commune. Elle vient de reprendre donc ses relations avec nous. On ne peut que leur dire merci. Je l'ai toujours dit, un nouveau jour se lève pour nous. On a l'obligation de nous réveiller et de travailler ensemble, qu'on conjugue nos efforts pour le meilleur devenir de nos populations, afin que nous ayons dorénavant, qu'on reprenne les plantations de café-cacao, qu'on reprenne l'agriculture et qu'on essaie d'assainir tout ce qui est déchet dans notre localité. Et je suis très heureux au jour d'aujourd'hui. Et je voulais profiter pour dire toujours un sincère merci. Je ne saurais jamais le dire au chef de l'État. Vous allez voir toutes les rues de Ruelle de Lomé, pardon, de Palimé qui sont donc en réflexion. Et le grand canal de Texaco jusqu'au monument aux morts, qui a été donc confié donc à une entreprise, on va donc drainer cette eau, curer le caniveau et faire un grand jardin tout autour de cette rivière-là, jusqu'au monument aux morts, pour que la verdure revienne dans notre vie. Ça, je peux vous le dire plus dessus, vraiment complet. Notons que le projet va se dérouler sur 2 ans et prendra fin en octobre 2022.